je continue peu à peu à faire le tour des territoires maritimes de Bretagne. Et avec Gaël Lemeur, nous allons passer beaucoup, beaucoup de temps sur le terrain. Aujourd'hui, là, je suis venu à Brest pour rencontrer deux entreprises qui travaillent sur à partir des algues, à partir de bactéries produites par les algues, et qui sont en particulier en situation aujourd'hui à la fois de produire des plastiques biosourcés à partir de ces bactéries cultivées et d'autre part des produits 100% biodégradables qui répondent aujourd'hui à deux nécessités de l'économie circulaire, c'est-à-dire si je prends quelque chose dans l'environnement, là en l'occurrence dans la mer, ce sont des choses que je vais cultiver, donc on ne va pas impacter du tout sur le milieu naturel puisque ce sont des bactéries qui sont élevées et produites en laboratoire qui vont produire une substance qui elle-même va pouvoir générer du plastique biosourcé mais aussi biodégradable, de générer un certain nombre de produits. Nous avons vu ici également dans la pépinière d'entreprise de Brest Métropole une entreprise travaillant sur la spiruline qui est une algue très connue que l'on peut cultiver avantageusement et qui peut répondre à un certain nombre de problématiques liées en particulier à la spondyarthrite et qui aujourd'hui améliore le confort, améliore la santé, améliore le bien-être des personnes porteurs malheureusement de ces maladies. Donc tout ça, ce sont des choses extrêmement intéressantes, basées à la fois sur la science du milieu marin, qui nous permet de comprendre ce qu'est la vie, et à partir du moment où on a compris ce qu'est la vie, on peut la réutiliser pour aider effectivement au fonctionnement de la société, que ce soit sur des plans industriels, comme le plastique 100% recyclable, ou que ce soit sur le plan de la santé et des médicaments en particulier.